Tipeee a pour objectif de généraliser l'usage du tip, le pourboire, sur Internet. Le principe est simple. De la même manière que vous pourriez donner 1 ou 2 euros à un musicien que vous appréciez dans un restaurant, vous pouvez tipper un créateur que vous aimez pour le soutenir dans son travail. Ainsi, le créateur peut continuer à créer dans de bonnes conditions, voire même vivre de sa passion. Grâce à Tipeee, vous soutenez concrètement les créateurs qui le méritent. Vous favorisez les contenus de qualité en valorisant les créations pour ce qu'elles sont, et pas uniquement pour l'audience qu'elles font. Et vous contribuez à faire d'Internet un espace de création, de liberté et d'indépendance. Tipeee a pour objectif de généraliser l'usage. Voilà, bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous êtes connectés. Je salue les habitués de la chaîne Stevie Online TV. Vous avez pu apprécier la qualité des rapports diplomatiques, je m'excuse, démocratiques aussi, qu'emploie le gouvernement camerounais pour causer avec ceux-là qui défendent le droit. Quand le professeur Maurice Kamto est dans son domicile, pour beaucoup de personnes, les activistes de la diaspora qui demandent la libération de ce dernier ne sont rien d'autre que des voyous, des délinquants, des personnes qui s'accrochent sur des sujets qui n'ont pas de sens et qui sont en train de déstabiliser l'État, comme ils le disent parfois. Vous avez donc l'occasion ce soir de regarder, de découvrir les bienfaits de la démocratie camerounaise et encore en ce qui concerne les avocats, les personnes qui sont censées défendre les pauvres, défendre les faibles au Cameroun. Je vous prie vraiment d'apprécier les rapports polis, les rapports amicaux qu'il y a eu donc entre les agents de la police locale au Cameroun et des avocats qui n'ont commis pour crime que de venir défendre des clients qui étaient arrêtés injustement. Voici un bras, le bras d'un homme qui est censé amener, défendre, soutenir les pauvres, ceux-là qui n'ont pas de pouvoir, ceux-là qui n'ont pas de force, qui sont écrasés devant le regard impuissant, devant le regard silencieux des autres Camerounais. Vous avez là la façon dont le gouvernement camerounais traite ses amis. Vous avez là la façon dont le gouvernement camerounais traite. Vous avez là la façon dont le gouvernement camerounais communique avec ceux-là qui veulent le changement. Voilà le dialogue camerounais. Voilà le dialogue mis sur pied par le régime camerounais.
Alors, il faut que ceci soit clair dans vos têtes. Il faut que tous ceux qui sont connectés ce soir comprennent clairement de quoi il est question. Voilà le bon travail de notre gouvernement camerounais. Le gouvernement qui reste aujourd'hui après Paul Biya. J'estime que tout le monde ce soir peut remarquer que les avocats sont des individus qui nous restent quand le pays est parti en cacahuète, comme on dit chez les Français. Alors, avant que je ne commence ce direct, j'attends vos commentaires en bas déjà pour me confirmer si le son est bon. J'attends vos commentaires en bas pour me confirmer si le volume est bon. J'attends vos commentaires en bas pour me rassurer que vous partagez la vidéo. Alors, j'attends que vous partagiez. J'attends vos commentaires en bas pour confirmer la qualité du son. Voilà, bonsoir, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir amis du Cameroun, bonsoir proches du Cameroun. Je revois déjà quelques noms connus des réseaux sociaux. Je salue le très célèbre, le haut estimé Cochon Cochonard qui fait voilà, le plaisir, l'honneur d'être sur cette place, sur cette page ce soir. Bienvenue à toi mon frère, cale-toi dans ton meuble, cale-toi dans ton fauteuil, cale-toi dans ton sofa. Nous parlons de quelque chose d'assez sérieux ce soir. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Je vais faire comme d'habitude. Vous savez, c'est une tradition désormais ici de revenir sur quelques noms pour voilà, permettre de faire une dédicace à chacun et à chacune qui nous suit depuis un certain moment. J'ai donc quelques noms qui apparaissent ici. Il y a Dat, à qui je passe un bonsoir, une salutation. Justine, à qui je passe une salutation. Je salue Kenzo Choco. Je salue Kelanina. C'est les noms que je vois pour le moment. Donc, pour d'autres personnes qui sont là, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour que voilà, votre nom apparaisse et qu'on vous passe une dédicace. Les images que vous avez pu suivre là au début de notre entretien sont des images quand même qui révèlent en quelque sorte la nature animalesque, la nature satrapique, la nature reptilienne de ce gouvernement camerounais. Nous avons là en face de nous un gouvernement qui ne parle plus. Nous avons en face de nous un gouvernement qui ne communique plus. Et vous savez tout bonnement que quand le discours disparaît, quand le dialogue disparaît, quand l'émotion a perdu son cours, quand la logique, le rationnel fuit par la porte, il y a place à la violence et la violence non contrôlée. Donc, je vais remettre l'image pour ceux et celles qui viennent d'arriver pour que vous puissiez peser du poids, de son poids naturel, ce qui s'est passé. Nada.
Comment on en arrive là? Puisque voilà des avocats, des personnes qui sont censées défendre le droit, des hommes qui portent des robes pour défendre les justes, entre guillemets. Et d'une part, je vais vous dire quelque chose. Je sais qu'on va me dire, Stevie, voilà, c'est un moment de... Ce n'est pas un moment de joie, ce n'est pas un moment d'amitié. Vous savez, il est temps qu'on commence à vous dire les choses vraies. Ces avocats savent dans quel pays ils se trouvent. Ces avocats savent les conditions de détention des êtres humains comme eux dans ce Cameroun. Ces avocats savent le comportement, les relations, les rapports qu'il y a entre ces individus qu'on appelle policiers et le gouvernement camerounais. Ces individus savent que dans la prison camerounaise, il y a près de 500 personnes qui sont arrêtées injustement. Ces gens se lèvent, vont demander, se battre pour que ces innocents, arrêtés dans le cadre d'une marche pacifique, soient libérés. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont entrer dans le jeu du gouvernement avec des présidents, avec des magistrats corrompus, corrompus jusqu'à la moelle épinière. Vous êtes accusé au Cameroun. Vous engagez une marche pacifique. Dans cette marche pacifique, on vient, on prend des personnes. On les prélève comme les docteurs font des prélèvements sanguins. On les enlève sans que personne autour d'eux ne puisse lever le petit doigt. C'est à croire que la population camerounaise se débarrassait même d'elle. Lors de la marche du 22, on a enlevé des personnes de la foule. On les a amenés comme des paquets d'arachides, comme des sacs de patates. Les enlevant ainsi du cercle de ceux-là qui étaient en train de manifester. Et ce qui est incroyable, c'est que personne ne réagit. Personne ne réagit. Peu de temps après, on poursuit des personnes jusque dans leur domicile avec l'appui de certains chefs traditionnels. Personne ne réagit. Personne, mais personne ne réagit. Ils sont tous sur les réseaux sociaux à regarder des photos de canards et de chars enchaînés. Voilà que ces personnes qu'on a arrêtées sont obligées, parce qu'elles se sentent abandonnées à elles-mêmes, de commencer à collaborer avec les corrompus du système BIA. C'est donc dans ce paradigme-là que des individus vont commencer à demander à leur famille de donner de l'argent à des magistrats pour que eux on les libère et que d'autres restent en prison. Vous êtes arrêté injustement. Vous n'êtes pas seul. Vous arrivez en cellule ou en prison, dépendamment des cas. Vous payez encore pour sortir et laisser les autres qui, comme vous, injustement, sont en prison. Sur leur dos. Bon, bref, on passe. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne que ces individus ont sorti des centaines de milliers, des centaines de nos francs CFA pour donner à des magistrats, pour que ces magistrats les fassent sortir de prison. Les magistrats ont pris de l'argent et en bon biamourounais, ils se sont assis sur l'argent
et ont bien mangé cet argent. Voilà donc les avocats ou l'autre à leur tour qui vont aller revendiquer cet argent. Puisque leur client est passé par des bac-bac, comme on dit au Cameroun, ils ont fait le derrière-derrière. Voilà comment cet argent donc ne sort pas. La liberté, ils n'ont pas. Le soutien, ils n'ont pas. Ils sont donc perdus. Il faut que vous regardiez les images, hein. Et les gens sur qui on tape là, ce ne sont pas les prisonniers, ce sont les avocats. Voilà, ce n'est pas en Chine. Hein. Ce que vous voyez là n'est pas en Chine. Ce que vous voyez là n'est pas dans le Kivu au Congo où il y a la guerre depuis des années. Non. Ce n'est pas en Palestine, ce n'est pas en Israël. Ce sont les personnes de votre pays. Les Sardinats qui passent le temps à dire qu'on déstabilise le Cameroun. Voilà ce qu'on appelle la déstabilisation d'un pays. Les individus qui passent le temps à nous raconter que nous salissons l'image du pays à l'extérieur, voilà ce qui s'appelle salir l'image d'un pays. Je vous rappelle que dans ce Cameroun, on a enfermé des professeurs. Je vous rappelle que dans ce Cameroun, on a enfermé des enseignants de lycée. On a enfermé des instituteurs. On a enfermé des médecins. On a enfermé des avocats. Dans ce même pays que vous défendez, on a battu, lynché des enseignants, des professeurs, des avocats, des médecins. Aujourd'hui, ça continue. Beaucoup se demandent ce que les Camerounais attendent pour se lever. Beaucoup attendent du Camerounais normal qu'il se lève un matin et qu'il crie ras-le-bol. Qu'il en ait marre. Mais comment on peut avoir marre dans un pays où, chaque fin du mois, le bon Bengis va envoyer le soutien financier au Cameroun? Comment on va avoir marre dans un pays où, chaque fin de mois, on a l'argent qu'on va aller mettre dans les bars pour les bières? Comment on va avoir marre quand il suffit de parler fort au gouvernement en place pour prendre leur argent et manger, au détriment de ceux-là qui nous suivent? Comment on peut avoir marre? Ce n'est pas possible. Dans cette même vidéo que vous regardez, il y a des avocats. Il y a des avocats qui, au lieu de rester, soutenir leurs frères, défendre leurs frères du corps juridique, prennent la fuite et disent « Je n'étais pas là-haut. » Peut-être il faut que vous suivez. Il y a plusieurs vidéos. Hein. Prenez le temps que vous voulez pour apprécier la qualité de cette vidéo. Et la qualité de la lâcheté et de l'égoïsme de nos concitoyens camerounais. Parce qu'il faut le dire, c'est un acte de lâcheté. Tant du côté... Voilà. Voilà, vous voyez, vous allez bien voir, hein, pendant l'action, pendant que les gens sont en train d'être molestés derrière là-bas, il y a une dame là librement qui est au téléphone. Elle appelle forcément à la maison, à son mari, à son ami, à sa soeur, à quelqu'un de l'Europe, pour lui dire, voilà, c'est assez mauvais ici, on est en train de taper sur les avocats. Elle est à côté de l'événement. Elle est à face de l'événement. Elle tourne le dos à l'événement et prend son téléphone pour appeler la diaspora ou bien qui sais-je, pour lui dire ce qui se passe à côté d'elle. Nous sommes aujourd'hui dans un état où tout est fait par procuration. Nous sommes dans un état où on pense par procuration. Nous sommes dans un état où on agit par procuration. Nous sommes dans un état où on mange par procuration.
Même la révolution, on l'a fait par procuration. L'opposition, on l'a fait par procuration. La démocratie qu'on dit vouloir défendre, on la défend par procuration. Je dis même respirer, on respire par procuration. Je ne sais pas où trouver le bouton on pour allumer le cerveau de mes frères camerounais. J'ai l'impression qu'on est resté comme des créatures dans une forme d'hibernation. Je ne sais pas, c'est incroyable. C'est incroyable. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce qu'au moins vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de trahir l'histoire? Le Camerounais, en réalité, je n'aime pas parler en généralité, mais l'image qu'on a aujourd'hui de ce peuple nous amène à comprendre qu'ils pensent tous de la même façon. Je dis bien tous pensent de la même façon. C'est mon ventre, c'est mon bas-ventre. Un peuple où il n'y a que des égoïstes, et ça se manifeste sur plusieurs secteurs, ça se manifeste dans plusieurs secteurs d'activité. Il n'y a qu'à ouvrir les yeux pour voir. Il n'y a pas longtemps, il y a une vague de Camerounais qui ont été renvoyés comme des colis percés, comme des sacs mal faits, du côté du Cameroun, venant de l'Allemagne. Parce que ces individus se prêtaient à des jeux dangereux, avec l'argent qui ne leur appartenait pas. C'était des faussaires de cartes bancaires, c'était des voleurs dans les métros, c'était des agresseurs dans les pays européens, c'était des braqueurs. On les a renvoyés dans leur pays, on les a rapatriés avec le soutien de l'Interpol. Avec le soutien de l'Interpol. Et ces individus sont en Europe depuis des années. Qu'est-ce que le gouvernement camerounais fait alors que les enfants ont été tués à Kumba? Qu'est-ce que les Camerounais font alors que les enfants ont été tués à Kumba? Je vous rappelle qu'avant Kumba, il y a eu Ngabu. Avant Ngabu, il y a eu ce qui s'est passé en Dop. Avant Dop, il y a eu ce qui s'est passé là, toujours à Bamenda. Avant Bamenda, il y a eu Monique Oumateken. Avant Monique Oumateken, il y a eu des gens qui ont sauté des étages. Involontairement, nous, bon. Il y a des enfants qui ont été violés. Il y a des crimes rituels. Tout ça, c'est un ensemble de choses qui aurait dans un pays normal où les individus sont dotés d'empathie, aurait créé un chaos. Les États-Unis, c'est un peuple qui aujourd'hui existe sur le sang des Noirs. Les États-Unis existent sur le sang des Noirs. La population principale, première, qui était dans là-bas, qui vivait avant les Américains que vous connaissez aujourd'hui, ont été littéralement effacés de la surface de la Terre. Je ne veux même pas aller plus loin pour vous dire que même ce qu'on appelle le World Trade Center est basé au centre où on vendait les esclaves noirs venus d'Afrique. Le World Trade Center que vous voyez là, ça a été là qu'on vendait vos pères, vos mères, vos sœurs, vos ancêtres, c'est là qu'on les vendait. C'est là où ils ont décidé de créer le centre international de commerce. C'est basé sur le sang des Noirs. Je ne parlerai pas de l'Union européenne du siège ici. Mais ces individus ont eu l'humanisme nécessaire pour arrêter de travailler au moins quand on a tué George Floyd. On a vu l'humanisme de ces gens quand George Floyd est tombé. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, un homme était tombé et on a vu comment ça a impacté le monde. Parmi vous, on a entendu des gens dire, vous appelez ça, Black Lives Matters. Partout, Black Lives Matters. On vous entendait le dire. Même si certains aujourd'hui ne connaissent pas la signification profonde de ce mot, de cette locution-là. On vous entend partout dire, vous êtes des grands intellectuels. Au Cameroun, il n'y a que des diplômés, on le sait. Mais en réalité, de voir tout ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, sous le regard inactif, passif, silencieux, tendancieux même, de certains Camerounais, ou bien de la majorité des Camerounais, je dis que c'est une insulte à l'humain, c'est une insulte même à la divinité. C'est une insulte même à Dieu que vous croyez.
Parce que je le dis chaque jour dans mes directs. Il n'y a pas un serviteur de Dieu qui soit un homme faible. Il n'y a pas un serviteur de Dieu sur lequel on marche. Que ce soit tous, j'ai dit la Bible, le Coran, la Torah, ce que vous voulez, tous sont d'accord à ce niveau que Abraham, ce n'était pas un lécheur de cul. Excusez-moi de vous parler de cette façon. Moïse n'était pas un lécheur de cul. Tous ces individus se sont rebellés contre des gouvernements, mais ô combien puissants. Est-ce que vous savez ce que représente le pouvoir de Pharaon? Est-ce que vous savez ce que ça représente en tant que quelqu'un, en tant que Jésus par exemple, de se confronter, de se mettre en confrontation directe avec les forces de l'époque, avec César? Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que représentait Potiphar à l'époque? Est-ce que vous savez ce que représente la lutte que Moïse a menée? Mettre un peuple derrière lui, se battre contre les forces institutionnelles à l'époque. Vous avez des personnes aujourd'hui qui disent qu'ils prient Dieu. Des personnes, une personne, des gens qui disent qu'elles prient Dieu, mais ne sont pas capables d'ouvrir la bouche pour défendre leurs propres frères. Ne sont pas capables de se lever pour défendre leurs propres frères. Je vous rappelle que Dieu, Jésus auquel vous croyez, disait que si vous détruisez le temple de mon Père, je le reconstruirai en 3 jours. Chaque jour, on détruit le temple de vos pères, vous qui croyez en Jésus-Christ. Est-ce que le corps de vos frères ne fait pas partie du corps de Dieu? Et chaque jour, ça se passe. C'est une honte. C'est une honte de voir ce qui se passe au Cameroun. J'ai été pratiquement désillusionné de voir que il veut dire des gens comme Sergio Polo arrivent à distraire l'ensemble d'un pays, d'un territoire en faisant une vidéo où ils mangent avec une cuillère le tarot. C'est comme si c'était un événement ô combien important pour le futur du Cameroun. Sergio Polo a mangé le tarot, il fait la publicité du tarot parce qu'on l'a vu manger du tarot avec de la cuillère. Et là, c'est un événement pour le Camerounais. Alors que chaque jour qui passe, il y a des morts du côté du Nozo au Cameroun. Alors que chaque heure qui passe, il y a des femmes comme vous qui font des accouchements dans les hôpitaux, qui ne sortent même jamais. À l'étranger, ailleurs, c'est le corona qui tue les gens. Au Cameroun, c'est nous qui nous tuons nous-mêmes. Au Cameroun, c'est nous. Nous nous tuons nous-mêmes. Voilà, regardez le pied de quelqu'un. Regardez, ce n'est pas... Vous vous levez le matin, vous dites à vos enfants, je m'en vais faire mon travail. Puisque quand vous êtes avocat, vous partez faire votre travail. Voilà la main de quelqu'un qui part faire son travail le matin. Regardez vous-même. Voilà le bras de quelqu'un. Il se lève le matin, il dit à ses enfants, je m'en vais faire le travail. Ses enfants sont fiers de lui parce que les avocats défendent les innocents. Parce que les avocats sont ceux-là qui défendent ceux-là qui n'ont pas de défense. Qui devraient, en quelque sorte. Voilà le traitement infligé par un gouvernement qui se dit démocratique. Voilà la réaction d'un pays qui dit dialoguer. Est-ce qu'à ce moment, on est encore dans un pays? Est-ce qu'à ce moment, on est encore dans un état de droit? Est-ce qu'à ce moment, on peut parler même d'une situation humaine? Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que ce qui se passe au Cameroun est même pire que la réaction raciste des négriers de l'époque? Est-ce qu'on peut être plus méchant que ça? Je crois que le Cameroun a dépassé le palier de la cruauté. Qu'est-ce qu'il faut qu'on dise aux Camerounais en fait? Vous voulez qu'on vous dise que pour que vous marchiez, on vous donne de l'argent pour que vous marchiez pour votre propre pays? Vous voulez qu'on dise que pour que vous vous libériez, qu'on vous donne de l'argent pour que vous vous libériez vous-même? Il y a quoi que les activistes n'ont pas encore dit? Je crois qu'on a tout dit. Je crois que tout est vu. C'est vous qui y êtes, c'est vous qui vivez, c'est vous qui la sentez, cette souffrance. Et c'est pareil pour les activistes. C'est la même chose. Dans les mentalités, il y a toujours cette implantation du biais. Chaque Camerounais est un petit dieu.
Chaque activiste est un petit dieu, de telle sorte que on ne sache même plus aujourd'hui quel est le chemin à prendre. Pourquoi cette confusion? Parce que les Camerounais sont égoïstes. Parce que les Camerounais sont égoïstes. Voilà une information comme celle-là. Prenez-la, j'ai voulu partager ça avec vous. Partagez-la, rendez-la voilà, virale. Comme toujours, les réseaux sociaux vont avoir ça partout. Les Occidentaux vont regarder, vont dire, bon, on sent les Noirs, on s'en bat les reins. Les Noirs vont regarder, vont dire, bon, ils cherchaient quoi là-bas, bien fait pour eux. Et voilà, ça va continuer. Nous sommes dans un éternel recommencement. Nous sommes dans un éternel recommencement. Dans un recommencement perpétuel. Perpétuel dans la perpétuité. Pourquoi? Parce que dans notre tête, on est dans un cercle fermé. Le cercle fermé, c'est le cercle de l'égoïsme. Le cercle fermé, c'est le cercle du moi, du je. Et rappelez-vous, dans l'évolution de l'être humain, il n'y a qu'à partir de 2 ans, 3 ans, qu'on dit non, moi, c'est pour moi, c'est ma part. Ce sont des enfants. C'est l'instinct primitif de la possession. C'est dans ce qu'on appelle l'état de non-droit, où tout appartient à tout le monde et rien à personne. Vous avez des intellectuels qui sont des grands professeurs à l'école, dans des universités, dans les centres de formation, qui ne sont pas capables de se lever et de vous dire qu'on vous ment depuis des années. Est-ce qu'il y a besoin d'aller appeler les plus grands chercheurs de Harvard pour venir vous démontrer en quelque sorte qu'un président qui n'est pas visible depuis 45 jours est un président inexistant et dont son poste est vacant? Vous voulez qu'on vous le démontre avec quelle machine? Ils ont fait des fausses vidéos, on a démontré, on a décortiqué les vidéos, on a décrypté les vidéos, on vous a démontré sur le plan technique, professionnel, que ces vidéos sont fausses. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas une contradiction de ces vidéos. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne font plus de fausses vidéos parce qu'ils savent qu'ils vont se casser le nez. Parce que pour faire des fausses vidéos, ils sont obligés de prendre des anciennes vidéos. Et ces anciennes vidéos sont dans une base de données que nous avons aussi. Donc on ira chercher juste la date, l'année, on prendra cette vidéo et le monde saura que c'est encore une arnaque. Vous avez Paul Bia qui ne voit aucun sommet aujourd'hui. Même en vidéo, on ne le voit plus. Vous voulez qu'on vienne vous faire une expertise. Vous voulez que quelqu'un vienne prendre sa salive pour vous dire que voici son ADN qui démontre qu'il est mort. Je ne sais pas à quel niveau le monde aujourd'hui fonctionne au Cameroun. Mais sachez que sur le plan intellectuel, il est plus difficile de démontrer quelque chose qui n'est pas que quelque chose qui est. Alors tout le monde peut dire Paul Bia n'est pas en vie. Mais très peu de personnes vont dire il y a vacance du pouvoir. Dans un pays comme le Cameroun, ce n'est pas à nous qui disons que Paul Bia est mort, de démontrer qu'il est mort. C'est au gouvernement et à Paul Bia de nous démontrer qu'ils sont en vie. C'est un processus de réflexion simple. Alors tous ceux qui viennent dans mes inbox me disent c'est vrai que Paul Bia est mort, allez vous faire voir. Parce que dans un état comme celui-ci, quand il y a un problème, on dit il y a vacance du pouvoir. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas le président depuis un nombre d'années. On dit que Paul Bia est mort. Pourquoi? Parce que s'il vivait, on ne ferait pas des fausses vidéos de lui. Pourquoi utiliser la photocopie quand l'original existe? C'est à ce gouvernement, à cet état-là, de nous rendre des comptes en nous apportant une preuve factuelle concrète de l'existence de ce personnage. C'est pour ça que je m'inscris en contradiction claire avec tous les opposants. Je dis même du MRC. De l'activisme camerounais qui aujourd'hui continue de parler comme si Paul Bia était en vie parce qu'eux-mêmes ne sont pas capables de nous démontrer qu'ils sont en vie à moins qu'eux soient en contact avec Paul Bia et qu'ils ne nous le disent pas, ce qui serait encore une trahison d'une certaine façon. Donc il est abject aujourd'hui de voir des hommes, des pères de famille, des mères de famille, des hommes, des citoyens camerounais qui se battent pour leur pays, qui se battent pour la justice, être lynchés comme ça sur la place publique juste parce qu'ils défendent une opposition aujourd'hui qu'on ne comprend plus. Les activistes doivent se battre dans la réalité, dans la vérité. Les politiciens doivent se battre dans la vérité. Les actions sont des actions. C'est quoi une action? Il faut que vous compreniez ce que c'est qu'une action. Une parole n'est pas une action. On dit qu'une photo, une photo vaut 1000 mots, une image vaut 1000 mots, mais une action pour nous, pour moi, pour ceux qui pensent comme moi, en vaut 10 000. On est dans un pays où on ne dit pas ce qu'on fait, on est dans un pays où on doit démontrer ce qu'on fait. On est dans un moment où le monde n'attend plus qu'on dise ce qu'on sait faire, mais qu'on fasse ce qu'on sait faire. On est dans un pays où on ne veut plus qu'on dise qu'on aime le Cameroun, on est dans un pays où on veut qu'on voit les actions qu'on mène pour le Cameroun. Alors posez-vous les questions sérieuses. Qu'est-ce que ce gouvernement fait pour vous?
Qu'est-ce que ce gouvernement a fait pour vous? Paul Biya, je le dis encore, est mort. C'est mon droit en tant que citoyen de penser librement. C'est la liberté de penser. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les accords internationaux qui régissent la liberté de penser, je dis donc que moi, je pense que Paul Biya est mort. Et ce n'est pas moi de venir démontrer qu'il est mort. Parce que je parle d'un président. Je parle d'un président qui a au moins 30 ministres. Dans un pays où on a près de 360 arrondissements. C'est à tous ces administrateurs, c'est à tous ces gouvernants de nous démontrer à nous qui avons dit sur la place publique que Paul Biya est mort, qu'en fait il n'est pas mort. C'est à Paul Biya de démontrer la preuve de sa matérialité, c'est à lui de démontrer qu'il est vivant. Pour ceux qui viennent d'arriver, voici la... Appréciez vous-même la qualité de la vidéo. Voilà. Voilà ce qui se passe dans votre pays. Il faut que tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux envoient ça à vos amis Sardina. Parce que ces mêmes avocats demain vont venir les défendre. C'est ces mêmes avocats qui défendent les Sardina, comme vous les appelez, et les Tontina. Pourquoi? Parce que tous sont des Camerounais. Et ces avocats ont commis un seul crime, ceux qui sont partis défendre des justes. Des personnes qui ne méritent même pas d'être en prison. Et c'est le calme total à Yaoundé. C'est le silence total. Tout se passe bien. Ceux même qui étaient dans la manifestation commencent à fuir. Dieu merci, d'autres ont même filmé pour nous les envoyer. Je ne sais pas si c'est dans l'espérance que nous quittions l'Europe pour venir au Cameroun faire quoi que ce soit. Il est temps qu'on se rende compte que nous, activistes camerounais, avons mené une grande partie de la lutte. On a dénoncé, on a exposé, on a combattu, on a pris des coups, on a donné des coups. Sur le plan stratégique, on a fait un travail incroyable. Sur le plan de la com, il n'y a même plus à redire. Je vous ai déjà dit que si vous, aujourd'hui, vous êtes 80, près de 80 personnes à me suivre maintenant, il est 23h. Demain, certains vont travailler. Vous voyez donc que si aujourd'hui, je suis capable de mobiliser autant de personnes sur ma plateforme, et d'ailleurs qu'il y en a sur les réseaux sociaux qui mobilisent encore plus, c'est parce que les communicateurs, les réseaux sociaux, les communicants du Cameroun ne font pas leur travail. C'est parce que les communicants du Cameroun ne disent pas la vérité. C'est parce que les communicants du Cameroun ne sont pas libres d'expression. C'est parce que ce qu'ils disent ne rejoint pas la réalité qui est à l'intérieur des Camerounais. Le Camerounais se sent donc impacté par ce que nous, nous disons. Parce que nous sommes plus Camerounais que ces individus-là. C'est de ça qu'il est question. Que ce soit l'opposition, que ce soit le parti au pouvoir, tous ne dépendent que de la diaspora. Parce que tout leur argent qu'ils volent sont cachés ici en diaspora. L'opposition attend le point fort de la diaspora pour la soutenir. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ces personnes aujourd'hui au Cameroun qui sont en train de matraquer des pères de famille, des mères de famille, c'est parce qu'ils comptent aussi sur votre soutien. Oui, parce qu'ils ont aussi des soutiens en diaspora. Donc si ce gouvernement vit encore aujourd'hui, c'est parce qu'une certaine diaspora la soutient. Cette organisation gouvernementale-là, ce groupuscule restant du système reptilien satrapique de Paul Biya existe aujourd'hui parce que certaines personnes de la diaspora la soutiennent. C'est comme ça fonctionne. Ce n'est pas pour rien qu'on dit système. On dit système parce que c'est un ensemble de boulons, de vis, de tournevis qui sont mis ensemble pour que le tout tienne. Et tout ça ne tient pourquoi? Tout ça tient pourquoi? Parce que c'est basé sur le soutien d'une diaspora. C'est de ça qu'il est question. Paul Biya est très mort. Paul Biya est même trop mort.
Parce qu'à l'époque où on a dit qu'il est mort, s'il n'était pas mort, il était même obligé de mourir. Donc la vérité aujourd'hui, c'est qu'on est dans un pays qui a connu l'un des pires coups d'État de l'unité, de l'humanité. Et à l'époque, on en parlait en blaguant quand on parlait du coup d'État silencieux. C'est un coup d'État qui s'est passé sous la ceinture. Personne n'a compris ça venir, du moins quelques personnes. Mais nous-mêmes, on était perdus dans cette histoire. Et je vous rappelle que la tournure historique dans laquelle s'inscrit le Cameroun à l'heure où je vous parle est une tournure particulièrement particulière. Parce que les élections américaines ont fait sortir quelques dents jaunes et rouges que je voyais s'agiter sur les réseaux sociaux. Mais il faut aussi voir sur le plan politique les projections, les visées, le parcours politique de ceux qui deviennent présidents dans un pays comme les États-Unis. Il faut comprendre que dans un pays comme les États-Unis, il y a un principe, celui des grands électeurs. Les grands électeurs sont les plus importants. Pourquoi? Vous ne le savez pas. Mais ils sont les plus importants parce qu'ils déterminent la tracée politique des États-Unis. Ils déterminent la tracée économique des États-Unis. Et vous croyez que Donald Trump, qui a donné des impôts obligatoires à des pays comme l'Allemagne, la France, l'arrivée de Donald Trump au pouvoir a mis la France en difficulté parce qu'il y avait des taxes aujourd'hui, qu'il y avait des taxes qui étaient imposées au commerce français. Avec leur petit Renault et Peugeot, ils ne faisaient pas le poids avec les grandes multinationales. Ils ont été obligés de couper certaines vivres à des niveaux. On ne vous dit pas toute la vérité. Les apports de ce que vous appelez la France-Afrique, ce qui est caché, qui est bien masqué sous ce que vous appelez la francophonie, ne fonctionnaient plus parce que les États-Unis ont commencé à réduire leur rapport avec l'Europe. Et ça a créé des difficultés énormes. C'est pour ça qu'il fallait absolument qu'il sorte. La propagande multimédia a commencé à tout faire pour qu'on le fasse sortir. Mais bref, nous, dans notre africanité, dans notre camerounité, on a suivi où ça faisait le plus de bruit. Et RFI sait faire le bruit. RFI et les médias français savent faire du bruit. Ils l'ont fait. Vous êtes tombés dans le piège. Mais tant pis, Donald Trump, ce n'est pas mon président. Parlons de notre président, donc, au Cameroun. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Puisque ce qui se passe au Nozo a réussi à poser quand même quelque chose d'assez important. Peut-être quand vous voyez les frères du Nozo agir, il y a certaines personnes qui n'ont pas la capacité peut-être de comprendre ce qui se passe avec le Nozo. Mais asseyez-vous et vous regardez les actions du Nozo, des Amba Boys, pas des faux Amba Boys d'Atangandi, je parle des vrais Amba Boys. Vous allez voir que ces individus ne font pas de life. Ces individus ne parlent pas d'argent. Ces individus mènent des actions. Ces individus sont ce qu'on appelle focus. Et quand ils mènent une action, il y a une répercussion sur le plan international. C'est pour ça qu'Atangan dit, quand il parle d'eux, il a presque les larmes aux yeux. Parce que lui-même sait quel est le sort qui lui est réservé. Et ce qui est important, c'est que les dernières semaines, si vous regardez bien, les actions de Koumba, les enlèvements du cardinal Toumi, ce ne sont pas, pour ceux qui lisent naïvement, ne comprennent pas l'impact international que cela a. Quand on enlève un père de l'âge de Christian Toumi, honnêtement, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Je ne dis pas qu'il ne sait rien, je vous dis son âge. Quand on fait des enlèvements qui ont des symboliques, ou on fait des enlèvements qui ont des représentations financières pour avoir de l'argent. Mais dans ce cas-là, il s'agissait d'un enlèvement symbolique. Pourquoi? Parce que Christian Toumi est un représentant du Vatican en Afrique. Il était cardinal. Et dans ce sens-là, on sait qu'on va toucher déjà l'information au niveau des cardinaux. Il y a un président américain qui va mener sa guerre. Tous les présidents américains ne sont pas comme Trump. Rares sont les présidents américains qui sortent de leur mandat sans mener une guerre. Parce que c'est un État qui n'existe que sur ça, en disant qu'ils mettent la liberté dans le monde, ils mettent la paix dans le monde. C'est comme ça que ça fonctionne. Un monde dans lequel il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas d'armes qui existent. Et si un État vit majoritairement de la vente des armes, il faut qu'il fasse des bénéfices. Et pour faire des bénéfices, il faut qu'il y ait des guerres. Pour qu'il y ait des guerres, il faut qu'il y ait des milices. Pour qu'il y ait des milices, il faut qu'il y ait des gens qui ne soient pas contents. Il faut qu'il y ait des situations comme celles qu'on a au Cameroun. Je vous dis donc que c'est très possible que ce monsieur décide d'aller imposer, d'aller assister le Cameroun pour apporter la paix. Vous avez suivi la dernière sortie de la Tangandi, par exemple, sur la CATV. Aux antennes de la SATV, qui demandait pratiquement l'appel, qui faisait pratiquement un appel au secours à la communauté internationale pour dire que
le gouvernement camerounais commence à être submergé. Même s'il n'a pas pu le dire en bon français, on comprend ce qu'il voulait dire. Donc, pour ceux qui hésitent encore d'agir, sachez que si vous n'agissez pas dans le sens de la paix au Cameroun, le Cameroun va et est condamné à être en paix. S'il n'est pas en paix, il va devenir un certain Kivu. Je ne sais pas si le nord Kivu vous dit quelque chose. Je ne sais pas si le nord Kivu vous dit quelque chose. Parce qu'une fois que nous aurons les délégations de l'Union européenne, de l'ONU chez nous, les casques bleus comme on dit, ils ne s'installent pas pour repartir le lendemain. Ils ne s'installent pas pour partir le lendemain. Le Cameroun est l'un des rares pays en Afrique, je crois, oui, pratiquement le seul, qui parle français et anglais comme langue nationale. Et le pire, c'est que si on prend un président comme Kamto, comme le professeur Kamto, il est très possible que le Cameroun change même de langue nationale. D'ailleurs, c'est inscrit dans son programme politique. Ça veut dire qu'en changeant de langue, c'est mort. Ça veut dire que en changeant de langue, c'est mort. Plus de Francafrique, plus de francophonie, plus de Commonwealth. Le Cameroun n'est donc plus la chasse gardée de quelqu'un, comme on a pensé vouloir le dire à une époque. Le Cameroun devient un monochrome. Le Cameroun devient un élément unique, un single ton, dans un système de langue. Regardez le Sénégal, par exemple. Dans le Sénégal, vous avez des Sénégalais qui parlent français, vous avez des Sénégalais qui ne parlent pas français. Parce que le Sénégal parle Wolof aussi comme langue nationale. Ça veut dire que ça bipolarise déjà la vie du citoyen, de sorte que dans une famille, ceux qui vont à l'école vont parler français, ceux qui n'y vont pas parleront Wolof, mais ils s'en sortiront dans leur pays. Et au Cameroun, qu'est-ce qu'on fera? La France aura perdu. Vous savez combien de milliards Bolloré va perdre seulement si le Cameroun change de langue? Vincent Bolloré perdra de l'argent, énormément d'argent. Il suffit seulement qu'on change la langue nationale. Ils vont perdre énormément d'argent. Il n'est pas le seul. Je vous rappelle que l'école où vous partez apprendre à communiquer, journalisme et tout là, c'est une école qui est chapeautée par des Français. Bourget, qui est mort dernièrement, était le responsable. Les décisions prises à la CATV ne sont pas prises au Cameroun. Combien de fois nos ministères qui sont pilotés par le haut, déjà qu'ici en diaspora, on sait comment les populations se plaignent du fait que leurs propres dirigeants sont pilotés par les multinationales. Nos présidents alors n'existent même pas. Nous avons eu la chance, contrairement à beaucoup de pays, de pouvoir arracher la souveraineté de notre pays et de libérer les forces au Cameroun. Mais avec les égos, la volonté individuelle de gagner seul, la boulimie, on a réussi à faire ce que nous voyons aujourd'hui. On a réussi comment dire, à détruire un don qui nous tombait tout droit comme une manne. Il suffit seulement, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'issue. Je vous dis, il suffit seulement que la même ardeur que nous avons donnée, la même force que nous avons donnée quand nous sortions pour demander le nom, pour revendiquer le nom au hold-up électoral, souvenez-vous, hein? La même vigueur que nous avons eue quand on sortait pour demander, pour lutter contre le gré à gré, que nous utilisions la même poigne pour taper sur toutes les tables et dire que Paul Biya est mort. Et j'appelle ici les leaders politiques de l'opposition. Tout ce qui soit, aussi nombreux qu'ils soient, de dire maintenant que Paul Biya est mort, puisqu'en réalité, ça bénéficie à qui? Si on dit que Paul Biya est mort aujourd'hui, ça bénéficie à qui? Au RDPC? Jamais. Au parti de Cabral Libi? Mais jamais, puisque son parti n'a même pas raison d'exister. Le nom de son parti, c'est un parti pour la réconciliation. Mais Cabral Libi n'a jamais parlé de réconciliation, ni dans sa chambre avec sa femme, ni dehors à l'Assemblée nationale. Son parti porte dans le nom de réconciliation. À quel niveau? Pourquoi? Il a réconcilié qui? Si ce n'est ses poches avec la banque camerounaise, la banque centrale camerounaise, ou le contribuable camerounais. Voilà les individus que vous soutenez. On perd énormément de force et de temps à se battre contre un système de Paul Biya qui n'existe plus. Le système Biya est tombé et ces personnes sont en train de faire que nous perdions du temps. On appelle ça l'usure. C'est de l'usure totale. Ils veulent absolument que nous nous fatiguions. Ils vont arrêter votre frère aujourd'hui.
Demain, ils vont arrêter votre tente. Après, demain, ils vont vous arrêter. Votre village va marcher. Le village voisin va marcher. On va arrêter des personnes ici et là pour vous fatiguer. Mais là n'est pas le problème. On va passer le temps à faire des directs pour dire qu'on a arrêté telle personne. Voilà qu'ils ont empêché à telle personne de boire de l'eau. Ce sont des éléments que nous connaissons. Ça existe au Cameroun depuis la nuit des temps. Il est l'heure de se battre dans un combat sérieux et rationnel. Quand on veut engager une lutte, la première question qu'on se pose, c'est de savoir contre qui on se bat. Que chaque activiste là, que chaque opposant du Cameroun, au Cameroun, se pose la question de savoir contre qui je me bats. Si votre réponse c'est le système de Paul Biya, alors arrêtez de faire ce que vous faites parce que vous êtes totalement hors sujet. Un système est un ensemble d'éléments qui fonctionnent ensemble. La montre a un système. Si j'enlève un seul bouton dans ce système-là, d'engrenage qu'il y a dans la montre, ma montre ne fonctionne plus. Je reprends ce que je dis. Si j'enlève un seul bouton de l'engrenage qu'il y a dans cette montre, elle ne fonctionne plus. Les éléments sont mis ensemble pour fonctionner ensemble. C'est un tout. Une partie représente le tout et le tout représente la partie parfois. Alors, si dans ce système que beaucoup disent combattre, il y a l'élément fondamental, le cœur du système Biya qui n'est plus, alors vous combattez qui? Vous combattez quoi? Vous combattez pourquoi? Pour qui? À quelle fin? Voilà les questions fondamentales auxquelles un activiste, un opposant devrait répondre la main dans la poche, le doigt dans le nez, comme on le dit en Allemagne. Mais aujourd'hui, on se bat contre le système Biya, c'est ce que beaucoup disent. Moi, je ne me bats pas contre eux. Non. C'est de l'imposture qu'il y a au Cameroun. C'est ça le problème. Puisque vous avez un président qui n'a même plus besoin de se montrer aujourd'hui, ça veut dire qu'il existe ou pas, il existe. Mais exister n'est pas vivre. Il existe, mais il ne vit pas. Il existe à travers une photographie. Et la photo a été créée pour commémorer les gens qui ont vécu. Ces personnes existent à travers les photos. Mais aujourd'hui, on dirige un État à travers l'existence d'une photo. Dans un pays où il y a 70% de la population qui est jeune. Moins de 21 ans. 70%. Ça veut dire si vous prenez votre pain au chocolat qu'on vend au Cameroun, le pain de 150 là, vous coupez pour 30 francs ou pour 50 francs, tout le reste là, c'est la jeunesse camerounaise. Ils ont des baccalauréats, des licences, des masters, des doctorats, des professeurs, des agrégations. Ils ne sont pas capables de se rendre compte qu'ils n'ont pas de président à la tête de leur pays. C'est une ignominie. C'est une insulte même à la réflexion. C'est une insulte même à la logique. C'est une aberration littéraire. C'est une aberration intellectuelle. Ils devraient tout savoir. Il faut que vous me voyez. Il faut que je démontre que je suis en vie. Puisque l'être humain est un être sensoriel. Puisque l'être humain est un être doté de sens. Puisque l'être humain est un être pensant, un roseau pensant. Et la pensée passe par l'appréciation liée au sens. Je sais que quelque chose existe parce que je touche ça. C'est la mémoire tactile. Je sais que quelque chose est là parce que je vois. C'est la mémoire visuelle. Je sais que quand ils sont contre vous en France, tout le monde devient contre vous. Parce qu'ils communiquent la même chose partout. Alors si nous aujourd'hui contre notre gouvernement et qu'on est sur les réseaux sociaux, il faut qu'on soit capable de faire que ce que je dis ici, on le dise partout ailleurs. Que ce qu'on dise ailleurs, qu'on soit capable de le dire chez moi. C'est ça l'union, c'est ça la force. Et il faut que vous sachiez, avant que je sorte de ce direct, que ce qu'on appelle le panafricanisme ne peut pas exister quand on n'a pas déjà une idée nationale. Ceux qui se battent tout le temps, qui racontent qu'ils sont des panafricains, là, les Camerounais en plus. Il faut que vous arrêtiez la sorcellerie. Il faut que vous arrêtiez le vampirisme.
On ne peut pas être panafricain quand on n'a pas une nationalité. On ne peut pas avoir une nationalité quand on n'est pas un citoyen. On ne peut pas être un citoyen quand on n'observe pas les devoirs et les droits d'un citoyen. On ne peut donc pas observer ces droits-là et être impasse, comment dire, être silencieux quand ce qui se passe au Cameroun se passe. C'est comme laisser votre femme à la maison sans donner la ration pour aller rationner l'enfant du voisin.